Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur I Wanna Get The Rainbow Fever. Ah, c'est juste ces triggers qui sont de cette couleur là. Oh punaise, le piège là. C'est sérieux. Mais j'ai oublié. Mais j'ai oublié aussi le fait que ça inverse. C'est très perturbant. Voilà, merci. Yes. Ah, qu'est-ce que ça va faire là? Oh punaise. J'étais tellement con. Ah, et puis il y a un trou en plus. Ah oui, mais je sais pas s'il y a un trou ou pas sur juste derrière en fait. Ah, ce saut, et voilà. Ce saut, c'était sûr qu'un jour, j'allais mourir dessus. Ça va. Ah ouais, mais c'est dur de ouf. Ah ouais, mais le saut, il est pas évident, hein. En vrai, hein, je vous assure, hein, avec mon œil d'expert, là, le saut n'est pas évident parce qu'on se cogne. J'ai oublié. Oh là là, le fading de la musique, là. Oh punaise, mais le saut quoi. Il est faisable, hein. Mais faut train un peu dessus. Et celui-là. Allez là, déjà 12 morts sur le premier écran. Oh yes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Par contre là, il y a un petit problème, hein. C'est que... Ah oui, j'avais pas vu la plateforme là. Allez, un petit saut, on se cogne là directement. Ok. Oh. Oh. J'ai eu peur. Ah, parce que le mec il met des petits trucs en mode, hey, regardez, il y a un piège ici, ça va changer. Mais parfois... Parfois il met rien. Alors que ça change quand même. Ouais, en gros je dois choisir, c'est ça? Ouais, je dois rien toucher en fait. C'est bon, j'ai compris. Oh punaise, le truc il vole quoi. C'est malhonnête monsieur, c'est malhonnête. C'est d'une malhonnêteté sans précédent. Et ça c'est 100% gratuit. On se dit c'est dans le coin là. Et... Oh c'est fatigant. Ah, je ne doute pas du caractère divertissant de ce genre de niveau, hein, mais à jouer c'est pénible. Comment? Ah mais si je retombe en bas, ça marche non? Il doit y avoir un truc, hein, il a dû prévoir ça. Regardez comme ça là. Ah oui, bah oui. Et je comprends pas là, je meurs quand... Ah c'est un piège, faut passer en dessous, je suis sûr. Je suis sûr il y a des faux blocs. Il adore les faux blocs le dev. Vous allez voir, il y a des faux blocs, c'est certain. C'est là. Et voilà! Incroyable. C'était extraordinaire. L'improvisation. Je vais où là en fait? Ok, ça a inversé deux pics. Ah! Je ne vais pas mourir. Yes. Yes. Allez quoi? C'est sérieux? Vous avez vu le nombre de sauts à enchaîner là? Pourquoi je vais là? Il y a bien trop de sauts à enchaîner sur cet écran, monsieur.
Oh putain. Je suis mort sur la sauvegarde là? Oh là, et puis cette musique des années 80 là. Et la sauvegarde meurt. Mais c'est dur parce que je me cogne là. Je me cogne. Tu te cognes. Nous nous cognons. On se cogne tous ici. Aucun joueur au monde n'a pu passer cet écran sans se cogner au moins une fois. Sur le bloc sur lequel je me cogne. Ah ouais, j'étais pas encore mort là. J'y arrive plus. J'y arrive plus. Je suis perturbé là, j'ai peur de toucher le pic du coup. Allez quoi? Ça veut plus. Ça y est, j'ai dépassé le stade. Le Willon Effect. J'ai passé trois fois un saut et maintenant c'est très compliqué. Ah, voilà. Donc là j'ai une... C'est fort le son, du coup je crie. Là j'ai une petite textbox que vous ne voyez pas. Avec des caractères. It is a mouse to a needle. Ah ouais. Voilà, j'ai enlevé les trucs en mettant ma souris. D'ailleurs, j'ai un petit effet de souris là, assez... assez relou. Ah oui, il y a un pic derrière les saves, j'avais pas vu. Et comment je redescends? Ah mais je recommence en fait, c'est juste pour connaître l'astuce. Ah mais oui. Pff. Allez quoi. Bah, faut pas que j'oublie de l'enlever hein, mais... Et voilà. Facile. Ok, ça a enlevé un pic du bas. J'ai l'impression, voilà, qu'il se met en haut. Donc je pense qu'il y a une course. Il doit pas falloir le toucher tout de suite. Mais là, je peux plus y aller. Ouais, donc faut aller là déjà. Faut aller à celui du bas. Voilà, donc là, pour l'instant, ce pic ne change rien. Nous sommes bien d'accord. On peut donc aller sur celui du bas. Ouais, je pense qu'il va y avoir une course, en fait. Voilà, parce que celui-là, maintenant, c'est pas grave. D'ailleurs, je vous annonce que ce petit saut, là, vous voyez, ici, hein, il est faisable. Hein. Ça, c'est un saut qui est faisable. Extrêmement compliqué, mais il est faisable. Donc là, ça va me boucher le truc de gauche, donc je ne peux pas. Donc en fait, il faut que là, je tombe. Que je ressaute. Ok, j'ai tout, j'ai tout. Ou pas. C'est l'inverse. En fait, j'ai le temps d'aller activer l'autre. On recommence, et là, c'est bon. C'est la bonne. C'est GG. Maintenant, c'est juste long. On connaît l'astuce, c'est juste long. On va juste pas mourir dans la chute. Mais ceux du bas, comment je fais? C'est ça le problème. Punaise quoi! Oh non! J'ai plus envie de jouer. Oh là, c'est-à-dire qu'il faut faire un gauche-droite, gauche. Et Air Jump, et ça c'est mon Nemesis numéro 3. Mon Nemesis numéro 3, comme vous le savez, qui est devoir faire un Air Jump après une chute d'une longueur importante. Voilà, et ben c'est là. Et il y a un parcours de ouf à faire à chaque fois, c'est extrêmement long. Pour finir sur... Ah, puis je sens bien qu'il faut pas toucher les deux blocs là. Oh, ça va être trop dur là. Et voilà, c'est raté! Et je mets une minute à chaque fois, ce qui est extrêmement long et extrêmement déplaisant, je ne vous le cache pas. Non mais pourquoi le mec a mis un labyrinthe pareil là, regardez-moi ça. Enfin, tout le temps qu'on perd, qu'il n'y a aucun challenge, ça n'apporte rien. Puis sauvegarder ne change rien, hein. Et puis là on peut même pas se prendre une petite pause, c'est impossible! Je ne peux pas faire ce saut, je ne peux pas. Oh! Là, je sens bien qu'il faut pas que je les touche, hein. Putain, bordel de...
non mais là, il y a un endroit qui était safe, parce que j'ai vraiment pas envie de tout recommencer juste pour m'assurer si un endroit était safe ou pas. Très bien, après analyse de mon propre gameplay, oui, l'endroit était safe sur les blocs. Donc maintenant, il faut juste que je recommence et que je re-réussisse cette énorme chute. Oh! Oh, c'est tout simplement le skill, je... Oh, punaise, il y a un piège ici, hein. Oh, oui. Nous sommes sur des tapis roulants. Mais c'est dur de ouf! Parce que ouais, faut que je touche le plus vite possible. Bah oui, je peux même pas me poser, faut que je fasse directement un air jump après le pic. Ce qui n'est pas évident car on n'a pas l'habitude d'avoir cette vitesse plus élevée que la moyenne. Toutes les heures que vous avez passées sur des Iwana ne servent à rien. Il faut réapprendre la vitesse optimale. Apprendre votre cerveau à cliquer au bon moment. Voilà. Ok. Oh là là, vous voyez un petit peu la reloutitude du truc. Allez, le petit saut là. En fait, le secret quand vous avez des tapis roulants là dans les jeux, c'est tout le temps sauter en fait. Ok, bon écoutez, c'était presque décevant. Oh, et puis on a des faux quoi. Le premier, le premier. Ah, il y a une plateforme ici. Oh, c'est un troll. Je suis en train de rire. Presque. Oula, mais il est pas évident ce saut là. Non, c'est bon. Ok. Il y a pas de sauvegarde là. Alors. Ah, mais vous avez la message box pour une fois, dis donc. C'est une fausse message box, putain. Je regarde l'écran, je me dis, mais c'est bizarre. Comment que ça se fait que ça vous l'enregistre? Je regarde le jeu, je clique. Là, mon cerveau process. J'ai raté le clic, je reclique une seconde fois. Non, j'ai vraiment cliqué. C'est une analyse, hein. Et là, je comprends tout. Et il est trop tard. Je vois la boîte descendre. Allez, ce saut que j'avais réussi parfaitement. Aïe 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 aïe. Puis je me disais, ma souris elle interagit pas. Enfin vous voyez, d'habitude vous mettez la souris sur un bouton. Genre la souris elle de... Enfin le bouton il a un état. Genre la souris est dessus. Et là il y avait pas, ça m'a stressé. Eh, deux. C'était où? C'était là déjà? Ouais c'était là, je vais pas recommencer. On va faire le orange maintenant. On va juste regarder à quoi ça ressemble. Et puis on va bientôt arrêter. Donc là vous ne voyez pas cette boîte qui dit It's a gravity trial zone. Ok, donc la gravité va changer. D'accord, le vert redonne la gravité normale. Oui. Ah, c'est pour essayer. Oh, c'est l'écran tuto. Ok, là, je vais super vite. Là, je vais super lentement. Là, je fais des super sauts. Oh là là, quoi, la taille du saut. Là, je peux plus sauter. Ah mais tiens d'ailleurs là. Ah non là c'est forte gravité. Là c'est voilà. Là c'est je peux plus sauter. Et là ça inverse la gravité. Et là ça remet la gravité. Hop. Ok donc là c'est une très faible gravité. C'est très relou. Voilà tout ce que vous avez appris ne sert à rien. Allez quoi. Ouais c'est déjà pas assez compliqué avec sa gravité là. En plus, monsieur fait des pièges. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Il y a un genre de truc. Oh là là, c'est pas évident. C'est pas naturel. C'est pas... Allez, je tombe sur la pomme, quoi. Non, mais c'est sérieux. Oh là là, c'est...
Perturbant. Bah oui, c'est quoi la suite? Non mais quand faut faire des sauts en dehors des écrans, ça j'avais jamais vu, c'est le premier jeu que je vois. Oh là là, c'est stressant de ouf hein. C'est le premier jeu que je vois qui genre force à faire des sauts en dehors des écrans. Bon bah ça on connaît très bien, hein. C'est du classique j'ai envie de dire. Et pourquoi il veut pas se poser là Non on peut pas se poser, on peut pas. La pause n'est pas possible. Ouais faut que je fasse juste un air jump. Voilà. C'est sérieux quoi. Faut que je le fasse deux fois. Mais non. Pierre, on peut pas hein. On est obligé de faire un air jump ici. Ça marche pas en full speed. Yes. Mais qu'est-ce que... Passer un truc dur, mais il faut recommencer. Pas de piège, s'il vous plaît. Merci. Quelle gentillesse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis en gravité faible, ok. Voilà, j'ai juste à alterner un petit saut. Ah, fallait juste y aller dessus, ok. C'est sérieux, quoi. Ouais, non, faut juste survivre un certain temps. Mais c'est long, en fait. C'est long et c'est pas très intéressant. Quoi? Ok. Allez, c'est sérieux. Le nombre de fois où il faut recommencer chaque section. Parce que pour savoir les pièges qu'il va y avoir, c'est fatigant, monsieur. Surtout quand il y a des trucs comme ça. Regardez, il n'y a aucun intérêt. Quand je saute, ça tire la deuxième boule qui l'envoie en l'air. Et sinon, je peux simplement sauter au-dessus. Ouf, bon allez, on va s'arrêter là parce que... C'est un poil fatigant, dit-il en continuant à jouer, n'est-ce pas? Bah oui, tiens. Le haut de l'écran meurt. Tu. Je sais même plus parler. Mais non, mais enfin, mais laissez-moi vivre! Allez. Ça ne s'arrête jamais. Chaque facilité qu'il pourrait y avoir, il ne vous la donne pas. Chaque facilité, il y a quelque chose, monsieur. Pourtant, là, c'était une certaine facilité, mais il nous l'a donné. Il est un peu gentil, quand même. On va arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Donc, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus.